Bonjour, je m'appelle Yu, je suis en deuxième année de Télécom Paris et je suis de promo 2021. Je viens de DUT, je faisais génie électronique à Grenoble. Ensuite, j'ai découvert Télécom grâce à l'usine nouvelle. Ensuite, j'ai beaucoup parlé avec mes professeurs tout en essayant de trouver les contacts des anciens étudiants Télécom pour avoir plus d'informations sur cette école. Poussé de choisir Télécom, c'est la formation pluridisciplinaire qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire, à la fois, nous avons une formation généraliste qui porte sur tous les côtés de numérique, qui est quand même un des plus grands enjeux de notre époque. Et de l'autre côté, nous avons des formations comme droit, économie, sociologie, tout ce qui est lié à l'aspect humain quand il s'agit de l'application de numérique. Donc cette idée de formation, c'est-à-dire de donner à la fois des matières scientifiques et des matières humaines, ça m'intéresse beaucoup. C'est plutôt la capacité de pouvoir gérer multitâches. Sachant en première année, nous avons tous les cours très généralistes. Donc il y a beaucoup de deadlines, donc comment bien organiser la vie associative et les études. On a beaucoup de projets, parfois les longs projets. Donc ça demande beaucoup d'énergie aussi d'apprendre à travailler avec les autres. Je suis vice-présidente du Bureau des Arts et aussi chargée de relations d'entreprise de Forum Télécommunications. Donc Bureau des Arts, c'est une association qui permet aux étudiants de découvrir beaucoup de formes artistiques. Par exemple, avant le déménagement, nous avons organisé beaucoup de sorties de théâtre, d'expositions et des séances de cinéma dans l'école. Et après le déménagement, nous avons essayé d'établir le lien inter-école. Forum Télécommunication, de l'autre côté, c'est un événement de recrutement organisé pour tous les étudiants de Télécom. Donc moi, je m'en occupe de contacter les entreprises, de les inviter, et ça m'a beaucoup aidé à développer une vision professionnelle sur le marché du travail. Je me souviens de première année, la campagne BDE. C'était la première fois de ma vie de cuisiner pour tout le monde. Donc j'ai choisi de cuisiner un plat chinois qui vient de ma ville. Donc c'était vraiment la première fois que je me sentais vraiment intégrée dans cette ambiance et d'essayer de créer une forme d'ouverture culturelle au sein de l'école. Donc c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai eu à Télécom.